a essayé de répondre à la question vous-même. Encore, nous remercions vous sous branché, sous cause légale avec Maître Béatrice Cazot. Nous connaissons que chaque lundi à l'heure ça, nous toujours font brancher sous cause légale pour nous venir parler en fait une conversation de différents sujets qui sont capables d'informer nous, pas vrai, pour nous des informations sur ce qui a passé. Et sujet nous que nous carrément branché aujourd'hui à Souli, nous connaissons que semaine passée à nous t'ai gagné géologue Monsieur David qui était venu parler avec nous sous question de tremblement de terre là qui était passé en Haïti, qui était fait un bon râler sur ça pour expliquer nous qui ça qui cause tremblement de terre dans côté que Haïti situé, hein, pas vrai, qui cause que tremblement de terre passé, et l'autre désastre qui la cause, genre de désastre ça a passé en Haïti, et le ça fait, nous connaissons que toujours il y a un pile monde qui mourit, le ça passé. Je dis à nous, bon, l'autre invité spécial, à continuer, même conversation ça avec Jodia, c'est Monsieur Bernard Eugène. Monsieur Bernard Eugène, c'est un ami de très longtemps. Mais il y a un pile d'expérience dans la question de construction parce que il fait toute carrière comme project manager couramment il travaille pour City of Weston dans Broward County. Il gagne un degré côté que il prend Bachelor of Science in Construction Management dans FIU. Il gagne Associates of Science in Civil Engineering Tech dans New York City, Masters of Science in Construction Management encore FIU, and Master of Urban and Regional Planning. So, qui veut dire qu'il fait toute carrière, côté que la gérer de construction, la gérer de bagaille code, ingénieur, tout bagay sa yo, c'est ça que gen nan background ni, kote ke la fèl pa bo yisit. E li se ou moun ki soti Jérémy, e mkadou ke se tout a sen jounè, ap di, ap espikem de Jérémy, fèm preske anvi al vizite Jérémy. So, Bernard, bienvenue sou Koze Legal. Nous apprécions d'avoir que vous avez accepté l'invitation. Nous connaissons que vous êtes très occupé, 14 embarrassés, qu'on dit que Haïti, qu'on dit. Donc, merci à vous d'avoir que vous accepté l'invitation. Dis un petit bonsoir, bonjour à tout le monde qui a écouté nous sur Cause Légale. Bonsoir et merci Béatrice. Moi, remercie en pile du fait que vous m'avez opportunité et pour me parler avec les gens de notre communauté. Oui, natif natal de Jérémie, et ça frappe en pile. Et parce que y a une pièce maîtresse dans la ville de Jérémie qui s'est tombée, c'est la cathédrale Saint-Louis. Et c'est là que je fais première communion, c'est là que je confirmé, renoncé et tout. C'est là que tous les parents m'ont passé, c'est là que les grands-parents m'ont fait enterrement et tout. Donc, il y a une connexion assez spéciale à Jérémie. Et donc, ça a frappé en pile. Et moi, je remercie encore une fois, comme on dit, mais ce n'est pas la première fois que nous rencontrons des micros. Nous avons fait ça pendant presque 2 ans pour aller en radio, mais cette fois-ci, c'est la télévision. Donc, moi, qu'il y a beaucoup de progrès. Apprécier ça, merci. Oui. Pour nous commencer, nous connaissons que c'est pas la première fois que tremblement de terre passé en Haïti, mais puis deux plus gros, ce que nous-mêmes nous voyons nous, dans vie pas nous. C'est ça qui était passé en 2010, et puis qu'on y a ça qui est passé très récemment, dans l'année ça, 2021. Bah nous on dit histoire, fait nous font comprendre encore de question de earthquake là, de tremblement de terre là et qui ça cause tremblement de terre. En bref. Monsieur est certain, pas jamais et surpassé Jocelyn David, l'explication que tu as donnée la fois dernière, et c'est ensemble avec l'association ingénieurs haïtiens. Donc, on connaît Jocelyn très très bien, donc on connaît le fond de mon travail. Donc, tout le monde
au courant de tout mécanisme qui est par rapport à et tremblement de terre. Mais, et mécanisme là, c'est une, mais qui apporte que tremblement de terre a gagné sous structure que nous gagnons là en communauté, à savoir bâtiments publics, à savoir maisons privées et autoroutes, ports, tout bagaille. Donc, tremblement de terre, ce n'est pas un phénomène qui est neuf. Et la ville du Cap, pendant la colonie française, était subie un gros earthquake qui était écrasé en pile côté là-dedans. Et ce n'est pas pour la première fois que nous gagnons un problème earthquake en Haïti. Mais cette fois-ci, et apparemment, il y touchait et des points assez essentiels pour nous-mêmes, côté que vraiment ça a attiré l'attention. Parce que un earthquake ne doit pas passer pour nous presse, ni Jérémy le passer dans les hauteurs, dans les montagnes, ni pas d'abgagner, et fait que le gars le passer dans une grande ville pour être au presse, aussi bien que bon, l'autre ville pour être Jérémy. Mais earthquake, c'est inévitable, et là, toujours arrivé dans le secteur côté d'habiter, hein, parce que earthquake, là, c'est résultat et positionnons globalement. Et Haïti, Chita, sous deux tectoniques, une dans le sud, une dans le nord. Et activité, il y a des fois, il y a qu'on a été dormant pendant un demi-siècle, pendant un siècle. Mais pour une raison, pour une autre, jusqu'à présent, que nous pas au courant pour qui ça, si on s'est cherché, comprendre ni, mais il y a de là, il a décidé, il a dit, mais il n'y a pas encore. Donc là, ça a obligé de mettre un babou à la trempe parce que sous nos lettres, il y a retourné, il vient frapper. Donc, il veut dire que nous pouvons pas qu'on un tremblement de terre dans le pays. Hein? Pas vrai? C'est seul bagaille que, en général, et nous pouvons la science a des possibilités et pour les prédire un souhait à l'avance. Il y a des moyens, des méthodes, probablement, comme Jocelyne dit, que les gens ont un petit délai. Mais délai en plus, pour passer délai ou cyclone. Cyclone a commencé depuis en Afrique, il prend tout le temps pour le niveau pour côté de Caraïbes. Mais un earthquake, et le plus souvent, il n'y a pas qu'à détecter early. Qui j'ai eu qu'à détecter early, c'est si par exemple, l'on pays comme les États-Unis, le Canada et les grands pays en Europe, ils mettaient un système d'alerte que ils ont gagné qui monitor toute vibration que tu as en fait. Parce que le plus souvent, et tremblement de terre a commencé à un point, et point ça a eu l'épicentre, et puis, wave là qui sortit l'épicentre, on a dit que mouvement oscillation fait là, il sortit au centre, et puis il voyageait, il vient arriver autour de Yékonia. Donc, il y a des équipements que, tant pour voyager, le premier et vibration est arrivé, il y a été détecté early. Sur le gain droit, par exemple, il y a une période de peut-être d'une demi-heure, d'une heure, puis on dit tout le monde évacué. Mais il n'y a pas encore tout pillage que cyclone bail là. Oui. Okay. On parlait de structure, pas vrai? Oui. On fait un petit parler sous structure, parce que nous connaissons que nous avons une expérience en termes de code par moi ici. Oui. Mais on fait ou ka font tirer aller pour nous pour pas moi ici même ta vrai pour font tirer aller tout dans pays nous pas en Haïti. Nous parler de question de tremblement de terre là, nous parler de hurricane tout. Nous connaît que tremblement de terre c'est pas en Haïti seulement que le passé. Nous connaît que tremblement de terre même pas moi ici côté nous habiter dans États-Unis, nous connaît que tremblement de terre passé très souvent en Californie. Nous connaissons le tremblement de terre passé au Japon. Nous connaissons le tremblement de terre passé au Mexique. Fait nous font comprendre de structures, dommages qui gagnent le tremblement de terre passé ou bien même un earthquake tout, parce que nous faisons un earthquake là, qui sont passés dans New Orleans, dans Louisiana, ou destruction qui passait là. Faut-tu parler nous parce que j'ai besoin d'une sous-question pour avec ou pour Mando qui j'en fais que lorsque le tremblement de terre passe dans certains pays, il y a destruction, mais pas dans le point côté que nous voyons que qui passe dans le pays nous en Haïti. Bon, qui sont passés de ça? Je pense à ce niveau-là,
il y a deux facteurs qui étaient très, très importants. Premier facteur, là, c'est une question économique. Parce que pays, ça, ils ont mis de l'argent de côté, ils ont fait études et des recherches et préparé, en l'occurrence, si toutefois, il y a un tremblement de terre qui a venu, et c'est sûr et certain, ils connaissent que l'a venu. Donc, ils ont préparé, en l'occurrence. Et c'est la même chose pour le cyclone. L'autre facteur, c'est que les moyens économiques pour investir l'argent, ni l'en faire étude, faire recherche, et aussi et poser règlement yo, de sorte que le monde qui a fait construction observe règlement qui sortit à partir de recherche et analyse que vous fait, donc qui pour prévenu pour des assauts pas arriver. Effectivement, soit dit plus que vrai. Premier tremblement de terre qui était passé au Pérou, c'était une calamité que l'était. Mais ces derniers temps, tremblement de terre passé au Pérou, eh bien, c'est une quantité minimale qui désastre qui gagne le pays. C'est parce que ils prennent des mesures appropriées pour y faire travail. Mais il y a un autre facteur qui est important, le sens de responsabilité. Et je pense que c'est là que nous faisons défaut en Haïti. Parce que partout dans le monde qu'on y a, et par exemple, là, aux États-Unis, dans le temps, ils ont un code pour Floride, ils ont un code pour Californie, ils ont un code pour le reste des États-Unis. Mais récemment, ils ont fait des efforts côté que ils ont créé ce qu'ils ont appelé ici Unified Code. Ce sont des codes universels qui ont adopté aux États-Unis. Seul ça, ils ont fait qui est différent. Le, par exemple, où habite en Floride, ils ont mis un chapitre qui a un rapport strictement à l'état de la Floride pour préserver le monde, pour faire des, prendre des mesures de prévention contre le cyclone. Et ils ont l'autre chapitre qui est associé à la construction qui a fait en Californie, parce qu'ils ont prêt pour gagner earthquake. Nous-mêmes, par exemple, en Haïti, nous avons tous deux. Nous prenons pour gagner cyclone régulièrement et tremblement de terre. Mais côté que moi dit que gagner et il y a un manque de responsabilité. Voilà. C'est parce que côté là déjà. OK. Gagner des pays qui pas des capacités pour ta développer côté. Il y a pas l'argent pour faire. Mais ça y a fait, yo avec la permission de pays étrangers, il a adopté côté légalement. OK, ce qui veut dire que on doit prendre caso, mettre caso, vérifier qu'on dit, chercher des techniciens et puis regarder des histoires qui sont beaucoup plus appropriées à la caille nous et puis automatiquement transférer et connaissance là avec règlement yo de sorte que leur fait construction en Haïti, yo pas obligé de réinventer la roue parce que la roue elle a déjà, il y a l'autre monde qui fait expense là, il dépense l'argent et puis il là, yo t'a qu'à utiliser même penser que bon. Et en Haïti, nous plus chita sous bon Dieu bon. Mm-hmm. Et là, le problème. OK? Bon, par contre, qui là, peut-être que nous avons réveillé, nous prenons l'autre disposition pour que nous fassions barrage aux gens supposés. Parce que, quand Dieu très, très, très clair, et bon, il est vrai que le tremblement de terre, c'est un phénomène qui est très complexe. OK? Et même à expliquer à tout le monde, et il est très, très difficile. Parce que, tremblement de terre basli et compréhension tremblement de terre chita et sous trois sciences. Trois sciences sérieuses, une là c'est mathématiques qui bon qui est de résoudre tout problème, les géologie qui étudie composition terre, qui mouvement terre gagné, OK? Et puis ensuite, ou gain physique. Parce que ni tremblement de terre, ni cyclone élément qui problématique là pour nous. C'est force que il a appliqué sur structure que nous gagnons déjà. Toute structure gagne une seule caractéristique là-dedans. Automobile, digital sur une force qui a un dynamisme là-dedans parce que l'automobile l'a fait pour le courir. Mais le cas n'est pas fait pour le courir. Donc, l'élément important dans le cas, c'est que le cas a une bonne fondation, une bonne base, structure l'a bien faite et le cas n'a pas supposé déplacer. Donc, quand il y a des plats dans mais ni cyclone, ni tremblement de terre, on dirait travail, c'est déplacer quand. Mm-hmm. Et l'heure déplacer quand là, il y a causé des impacts qui négatifs sur structure là,
si structure là pas faite appropriée. Non, là prend une structure qui immuable qui dit que et il y a combat tout cyclone, il y a combat toute qualité de tremblement de terre. C'est pas vrai, ça n'existe pas. OK? Mais dans un certain minimum ou que doit faire lui côté que quand la même si qu'elle a crasé mais ou a des capacités pour sortir la donne avant que le saut tombe. Mais nous-mêmes en Haïti nous pas faire rien de ce genre du tout. Déjà même là que y a fait construction quand là y a pas observé presque codieu. Ensuite même là utiliser matériaux de construction yo n'ont pas utilisé aux gens pour t'as utilisé ou approprié. Et ce que m'a dit par exemple, lui a parlé en Haïti de béton armé. Un béton armé, c'est un ciment qui a une capacité très grande pour compression. Mais là, on mettait Kaila, si Kaila est obligé de vaciller, tout béton là a craqué. C'est ça fait, on mettait fer là-dedans. Fait à une grande capacité, un grand niveau d'élasticité, de genoua tirer et puis le retourner en place li, sans que pas d'aucun dommage qui fait. OK? Donc, moun la en Haïti la fait kaila, eh bien, boss la dit la mette 3 bas à faire. Ah, m'ba y la, je pour 3 bas à faire, non. Mette 2 bas. OK? Donc, 2 bas là, pas répondre à demande qui vient gagner. Le cyclone n'a passé ou bien le tremblement de terre n'a passé, di capote kala back and forth, donc kala pa gen résistance pour li combattre effort pour le faire pour combattre pression que tremblement de terre la mette sous li. Donc, ou gen problème le matériau et béton par exemple. Tout moun wè béton en Haïti, c'est tout simplement principe on mélange la gravier avec l'eau. Alors que béton, c'est un produit chimique que li. C'est le laboratoire yo fait. Donc, quantité de l'eau qu'on met dans le béton, hein, avec qualité de l'eau qu'on met dans le pur, de telle sorte que mixture qu'on fait, elle a une capacité pour le gagner, hein, eh bien, la première personne qui connaît vraiment la capacité de béton en Haïti. Parce que aucune norme ça n'est pas respecté. Vous comprenez? Donc, tout ça causait vraiment des problèmes la construction en Haïti. Alors, comme vous parlez, nous dit ça, la seule chose qui a aidé vraiment, c'est si tu as gagné un vrai code qui est établi en Haïti que nous supposons suivre. Mais où se dit, par là, on avait disrupt conversation. Oui. Mais où se dit, par là, que nous avons un code en Haïti, nous ne pas suivre. Même avec Monsieur David qui a dit nous, semaine dernière, que nous avons un problème. Implémentation, I think is the oui. word. Oui, c'est ça. Donc, so, qui veut dire que nous vraiment des codes qui écrit les gens que nous sommes supposés construire en Haïti, nous gagnons ça? Bon, après tremblement de terre là, moi personnellement, moi te ouais au manuscrit qui était et bail qui gens que t'as construit en Haïti. OK? Est-ce que son standard international que nous suivons ou bien son bagage qui spécifiquement que Haïtien yo fait pour comprendre? Est-ce que yo prend dans manuscrit côté ou est-ce que yo prend des idées de l'autre pays, peut-être que pas bon ici, que peut-être que ou comprendre au Mexique ou comprendre pour yo ka fonder ou bien écrit code panou yo comme l'autre pays sa yo kon gen même situation yo pas vrai en termes de tremblement de terre so sorte ouais sorte ouais te approprié bon oui ou capable de l'approprier parce que nous pas grand ken laboratoire en Haïti nous pas gen université de Chita qui a écrit code moun qui écrit code là sont moun yo te commissionné pour faire ça le gouvernement haïtien après tremblement de terre qui était fait 2010 là yo commissionné moun là. Donc, on a cherché un code approprié, il prend des sections appropriées, et puis il a compilé, il fait, mais songez bien, il fait pour le monde qui a construction en Haïti, tu as qu'à comprendre. Mais ma soeur, mette Kazo, tout songez bien en Haïti, conseil de profession en Haïti, il a relégué à monde qui n'a pas de compétences. OK? Là, par exemple, on prend un monde nous dit, bon, monsieur Bosmaçon, le responsable chantier. Parce que Haïtien refusait de payer un ingénieur en général.
travail. Wow. OK? Donc, yo préférez pour un boss maçon ou contre-maître pour faire travail là pour yo. Donc, ce qui veut dire que moun sa gen des fois, nous pas parler trop loin, mais gen des boss maçon en Haïti. Peut-être que qui pas tellement ferré la mathématique, qui peut-être gen même des connaissances moun qui travaille sur chantier, qui rarement gen capacité plus que niveau que de l'école primaire là. Et puis, li capable li, mais pas qu'à interpréter bien des fois ça li a. C'est pas faute moun nan, mais c'est faute pays a. Oui. Parce que moun nan gen impression, moun nan sûr et certain, moun nan ta toujours aimé connaît. Par exemple, oui. Chez nous en Haïti, de Jérémy, ma tante mwen était élevé un petit bonhomme, il est maçon. Mais depuis mal en Haïti, il toujours vle chita avec moi la posée question. Et je n'y ai ben là, qui j'en fait tel bar, qui j'en fait tel bar. Et puis, il c'est pas le désir mon n'a rien fort pas gagner mais il a des capacités et puis aussi payant pas des infrastructures pour montrer mon n'a ça pour le faire vous comprenez donc mon n'a il fait elle connaît sa boss qui travaille la montrer lui donc pas qui grand haïtien premier problème il gagne ouais peut-être et monsieur David dit donc problème d'implémentation donc même là mon n'a gagne cahier coude dans la main qui je pour l'implémenter il pas connaît deuxièmement le lab dit là avec un propriétaire, propriétaire dit non, m'a pas mettre 3 bar, m'a pas mettre numéro 5, c'est numéro 2 m'a mettre. Bon, mon n'a pas perdre du travail là, fait travail là. Donc exactement. Ça qui vérifier. Finalement, l'autre bar m'a dit en dernier qui est très important, c'est que vous devez avoir tout code au monde. OK? Si vraiment quoi juste lundi, pas gain implémentation, c'est temps m'a perdu. Et pour implémenter un code OK, il faut que moun ka fait implémentation hein, de ce qu'on appelle ici aux États-Unis police power. OK, ce qui veut dire que le moun a construit ça là, bon inspection faite régulièrement. Yes. Et le moun n'a pas fait bagaille là basé sous règlement qui sur la code là, automatiquement building inspector a droit stopper chantier là ou bien écraser ça qui fait pas bien. Oui, mais en Haïti pas que ça. Oui, nous pas des capacité pour faire ça du tout. So, une fois mon al pour un permis la mairie en bal un permis pour le construire, mais c'est presque pas jamais mon al sur chantier parce que mairie en lui-même code l'implémentation pour différent mon avis pour permis, son source de revenus pour mairie. Mais so, c'est comme là seulement, yo fin faire comme yo et puis c'est ça pour là ou faire ça dans ça parce que il y a des structures qu'on voit yo montrer l'internet des cas qui fait en Haïti ou qu'on voit yo des cas qui campent depuis en montant à la coche. OK. So, ce qui veut dire que cas ça n'est pas tremblement de terre, il pas même besoin de tremblement de terre pour se tomber de son propre poids tête par l'île au moment arrivé là ça tomber. Vous comprenez? Donc c'est là il y a beaucoup de et travail pour nous faire la communauté haïtienne. Là. C'est bien malheureux, situation ça la jodi, hein? Et la continuer pendant un bon temps toujours, until que nous réveillons, nous voulons prendre d'autres décisions. Mais vous parlez, vous allez retourner sur ça que vous dit encore, parce que pour juste vous dire, moi still saisi, pour me donner que gagne un code, vous comprenez dans le livre, qui écrit en Haïti parce que m'ta dit monsieur Jocelyn monsieur David semaine dernière côté que m'ta en Haïti et puis m'a regardé côté moun yo bâti bon ça me dit m'a regardé côté moun yo bâti en Haïti m'a parlé de Port-au-Prince Pétionville m'a regardé côté moun yo bâti ça bâti presque sur route là ça bâti dans galette ça bâti sous monde ou comment ça me dit ouais moi saisi d'avoir que bon même question côté pour y aller prendre permis parce que pas ouais que de protocole ou bien de safety ou comprendre qui entrer dans gens que moun yo bâti dans certaines places en Haïti. Bon et ça revient de au l'autre département que ça a fait plaisir pour parler de cela, parce que si une bagaille moins perd du temps plus dans l'école à écrire papier, c'est planification urbaine. Et pour construire, c'est travail l'État. OK? L'État est supposé en premier lieu, même j'ai offert aux États-Unis, et il a fait infrastructure en vent. Il a fait route là, avec toute
possibilités qui gagnent pour construire au niveau des normes qui pour faire que ou grand municipalité qui viable. Ce qui veut dire, par exemple, bon mécanisme qui gagne aux États-Unis. Moun nan gen droit gagne 20 carotes aux États-Unis. Mais il y a des zones que municipalité en dit, étant donné que nous pas gagne assez l'hôpital dans la zone, nan, nous pas gagne assez voie de pénétration dans la zone. Nan. Donc, la première chose à faire, yo mande moun ki pral construire. Est-ce qu'on décide avant commencer à faire plan de développement pour faire une allocation de terre pour supporter construction l'hôpital, l'école avec des infrastructures. Donc une fois que moun ki développeur a accepté tout pareil ça yo, automatiquement connait yo qui doit décider combien moun ki va habiter dans zone ça. Et pour une quantité moun ki va habiter dans zone ça, c'est à partir de qui j'ai contrôlé size latio. Oui. Donc, si on a un coteau de 10 hectares de terre, ou fait latio 50 par 50, OK? Eh bien, on va mettre 200 cailles. Mais si on vient, on dit non, 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 pas 50 par 50. Minimum size lat, là, c'est 100 par 100. Donc, on y a, ou bral gagne peut-être 100 cailles seulement. Donc, c'est là qu'on contrôle la densité de la population dans le secteur. En Haïti, pas aucun règlement pour ça. Pas grand qu'il a fait. Par exemple, aux États-Unis, tout le temps, nous connaissons que l'Haïti, tout le temps, il y a des problèmes. L'œil recevoir une notice, il dit que non, 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 you violate the zoning code. Qui s'est à côté de là? Propriété pour moi, m'bati kay, moi, abdi, m'bati, moi, bati là. Oubliez-moi tout ça tout le temps. Oubliez tout ça, c'est du débat, ça ramène devant, parce que c'est tout possible, mais c'est terrible, c'est propriété, vous mettez vos chèdes, vous dites, vous allez mettre chèdes là, non, pas qu'à mettre chèdes là. Vous saisissez d'avoir que faut qu'il prenne permis pour peinturer caillou. Vous saisissez d'avoir que faut qu'il prenne permis pour couper un pied bois. Et dans la cour la caillou. Quand ça me dit pour mettre un gate qui j'ai ou qui j'ai dit ça en français. Pour mettre how do you say gate? En général fence ou bien l'entourage. Pour mettre un entourage pour entourer caillou, yo supposé prendre permis pour ça pas boy ici. Yo saisi, comment ça me dit parce que pas boy ici, nous gagne un code, nous gagne structure, gagne certains protocoles supposé suivre. Et you know et même ça yo achete un kay avec kay la supposé on one family house yo oui, prend oui. Yo divise yo fait trois familles dormi là dedans ça sont yo saisi là que yo ba yo on contravention yo mis devant et puis m'ka di yo non ce soit que pour retourner kay là dans yo one family pour craser oui. Tout ça que yo te fait yo et même doit craser yo payoun. Oui, veut dire que bon ici nous avons certaines structures, bon bagage, bon protocole que nous supposé suivre et you know, on y a la question en Haïti. Pas vrai? Après tremblement de terre 2010 là, où tu as pensé que yo t'a plus implémenté. Vous comprenez que Jean Mounio a fait caille en Haïti pour ce que nous déjà, ouais, sa tremblement de terre a été fait dans Port-au-Prince en 2010, côté que des milliers de monde mourit, pas vrai? Oui. On y a là, même bien passé, où il passe sur l'autre côté dans le pays. Vous comprenez, il passe pour y a en 2014. Mais est-ce que vous pensez que son opportunité pour y a que nous, peut-être que nous captons, que nous saisi? Et là, on a dit nous, on veut dire que moun qui en charge, you know, en Haïti, yo, peut-être que Kounia nous pourrait commencer à implémenter ça nous gagne sous livre, nous pourrait rebâtir. Vous comprenez? Est-ce que vous gens que vous avez rebâti côté que vous ne dites pas non si vous avez un tremblement de terre qui passe, même au cyclone? Vous comprenez? Parce que les cyclones vont passer à catégorie 3, catégorie 4, 5. Vous comprenez? Cyclone vont faire des dégâts pour en Haïti. Est-ce que vous avez une possibilité Kounia
pour moun yo lè kwe a bien bâti koun ya pour gouvernement campé pour ti non pa ka bâti la. Ou comprend lò pral re bâti kay sa mais ki sa pou mais ki kote ou supposé suivre. Est-ce qu'on pense que bon opportunité pour ça? L'état supposé qu'a fait. L'état supposé comme ça. Mais le problème que moi-même moi dit nous gagnons, c'est le fait que le niveau de pauvreté en Haïti trop gros. Non pas en pile. Ce qui veut dire que nous pas de capacité et pour nous faire des implémentations de barrages qui sont importants. Et mais l'autre bagaille que moi la caille haïtien en général, bon, ça fait déjà longtemps que me quitter pays, hein? Bon, nous sous 40 et quelques là. Donc, bon série de bagailles qui est très difficile pour moi et pour me comprendre, en dépit du fait que m'aller tout le temps, moi prends contact avec moi, je parle avec moi. Mais ça me trouve qui drôle, c'est que trois quatre monde qui ont le pouvoir en Haïti, tout vivent aux États-Unis, ils ont tout des cailles aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Mais quand il s'agit d'Haïti, eh bien, bon, pas grand-chose et désir pour faire barrage au marché, j'en peux tout marcher. Donc, je pense que une force qui crée des problèmes en Haïti, c'est parce que tout ça n'a fait en Haïti et chita sous corruption. Donc, je parle en politique moi-même personnellement, mais c'est quelque chose que, ouais, et qui est une réalité. Chaque fois qu'on tremblement de terre en Haïti, ou même où chita là ou parler avec moi, n'a regardé dans quelle mesure nous t'avons venu avec des propositions pour t'améliorer le code en Haïti, le type de construction et tout. Mais en général, se trouve bien que monde qui en Haïti, hein, c'est garder la garder côté tremblement ça a saute fait là, combien cop gabotre le pays qui gens chaque monde va démêler pour faire cop. Donc on pas connaît le nationalisme, on pas allonger droit sur tout monde, ça me parler hein et on pas veut et paraître comme monde qui a pas attaqué aucun monde, mais là en Haïti on regarde réalité là. Par exemple, si nous voulons implémenter un code en Haïti pour faire construction. Même un cas. Jérémy, ville que me grandir hein, l'homme de ti monde de gain de 24 sur 24. C'est que la lumière 24 sur 24. Quand il n'y a pas de l'eau pour baigner, pas d'électricité. Donc, on va dire que nous avons un code pour faire la bâtiment. OK? Nous avons un code qui a besoin de parler la pluie. Donc, mais malheureusement, chaque fois qu'on a un incident cyclone comme ça passé, nous avons une victime. Nous avons levé en Haïti pour garder pour le prince. Nous avons un bois jalousie. C'est maintenant, yo retire tout pied bois que te gen lande yo bati. So, sol nan kon yon pa gen ken kapasite pou kembe tèt li. Donc, depuis la pi tombe, c'est l'on ravine yon sou avalanche. Et depuis gen avalanche, ti kay ki fèt avec mousseau, carton, et deux ou trois blocs et briques de feuilleton, a se man ou fa gen kote an a iti ou li cité carton. Oui, depuis ki l'on moun ka bati ou cité en carton. OK, mais c'est parce que pour s'allier pas grand que nous. Moi même pense que il y a beaucoup à faire Béatrice. Mais haïtien, plein haïtien qui ont compétences et capacités qui t'a qu'à aider changer pays à aller dans l'autre direction. Mais malheureusement, c'est pas ni scientiste, ni monde qui a une bonne volonté, ni intellect, c'est toujours des politiciens qui prennent des décisions pour Haïti. Et de nos jours, pour être politicien et puis, on n'a pas besoin de quelqu'un de capacité. OK? De pour qu'on réunit 500 personnes dans la rue, on ne parle en pile, et puis automatiquement, on sont politiciens, et pour gagner un mégaphone dans la main, tout le monde s'ouvre au couteau, on dit tout le monde voler, tout le monde voler. Mais à dire, comme désastre dans le passé, les gens qui ont dit, faut pas le moyen. OK? Donc, on pense que la communauté haïtienne dans la diaspora et travaille qui pour faire pour aider Haïti retrouver là le système et qui positif quoi la Jamaïque quoi la Dominicaine ou Cuba et il faut que tu aies fait un peu l'apport à la diaspora pour aider et puis avec des gens de bonne volonté
qui peut venir avec, comme on dit, avec un code, avec des implémentations. Et aussi, le gouvernement, il faudrait des moyens tout, pour créer ce qu'on appelle de public housing. Que nous n'avons pas obligé, c'est 4 mots sur 4, on le mettait pour le bâtir en cas, parce que nous n'avons fait, nous n'avons citoyen pays. OK? Et il a fait le travail, il n'a pas de travail, mais bon Dieu, il a un petit côté pour le traiter. 4 murs, 2 ou 3 feuilles tôles avec un porte, il est capable de vivre. Il n'est pas obligé d'habiter dans la ravine chaque fois la pluie tombe pour dire obligé de camper avec un ombrelle là, dans la là. Parce que nous, on ça dans la télévision tout le temps, dans la télévision haïtienne. La pluie tombe, la valasse descend, nous n'avons pas un côté pour le coucher, c'est camper le camper avec un ombrelle là. C'est déplorable, mais il y a une possibilité pour le changer. Donc, c'est peut-être une diaspora qui peut nous mettre ensemble pour aider. Bon, c'est si que yo quitté nous gen voix parce que you know moi que grand pile I guess politicien pas vrai en Haïti yo pas gen problème que diaspora voyez comme en Haïti mais pour nous gen la voix à la parole ça sont pas grave. Non, nous pas là-dedans. Oui, on a besoin d'entendre nous quand il s'agit de, you know, parole. On l'autre bagaille comme Kamando. Bon, peut-être que ou ka pas prêt pour répondre à question ça, peut-être ou ka prêt, Kamando. On connaît, nous ouais, pas bon ici, que gen kay qui fait avec, we call them cabins, right? Yes. Et cabine n'a pas voulu dire que on dit pièce caille. Vous comprenez? Parce que même quand on parle dans la télévision, des cabines qui fait, you know, you fait avec des bois, gros bois. Vous comprenez? Qui gagne plusieurs étages et plusieurs chambres. Est-ce que vous pensez que il y a certaines places en Haïti, au lieu que pour nous faire bagarre accident et puis chaque temps on incident passé? Pour bon milliers de monde mourir comme ça, est-ce que peut-être que, parce que nous, moi, Haïti, presque pas utilisé toll encore. So, est-ce que, bon, question de peut-être que bâti plus avec toll ou bien bâti avec bois, qui ça qu'on pensait que qui a aidé nous, peut-être que l'un cyclone passé encore en Haïti ou bien un beau tremblement de terre passé en Haïti, pour nous parler de tout le monde ça y a qui mourit. Comprenez? Parce que si Kodjo n'a pas parlé forcé Kodjo, pour moun yo bâti kay avec béton, gens que yo ta supposé bâti yo, vous comprenez? Pour nous diminuer le nombre de monde qui mourit, chaque temps on bagay comme ça, on désastre naturel, on tremblement de terre, on cyclone, vous comprenez? Passé, et pourtant, vous comprenez? 1500 moun mouri, 300 000 moun mouri. Qui ça que nous ka fè avec moun yo avec ti kòb que yo gen nan men yo? Ou comprendre si yo ka bâti, est-ce que t'as suggéré bâti en tôle? Est-ce que t'as suggéré bâti en bois? Son t'a dit. Bon, et matériaux de construction en général, chaque propriété pa yo. Et le plus souvent un produit fini dans la construction, c'est en général un mélange de plusieurs matériaux de construction. Et pour faire une bonne fondation, un bâtiment, eh bien, bon, on est obligé de faire le béton. C'est sûr et certain, c'est le béton qui est important. Si on a construit pour prévenir un problème qui a rapport avec le cyclone, OK? Oui, j'ai construit en haïtien, il est OK. Même le, parce que béton, hein, et c'est un matériel qui est très, très généreux. Même l'on pas respecté en tant que norme, loi, que gagné pour faire le mélange de tout bagaille, il est quand même avec vous. Il n'est pas là pour la route. OK? Donc, le cyclone en Haïti, sous fond en béton, il y a 4 murs béton, il y a 3 tuyaux en béton, on est garanti que ce n'est pas un clone capture. Capable de bâtir dans la mauvaise zone. Yes. Et puis, l'eau vini, on va en aller à Kaila. Mais quand il s'agit de cyclone, non. Parce que cyclone, non, et c'est effet que le gagne, c'est vent qui a voté. Et cyclone, non, il y a une vitesse
que le cyclone a gagné 750 000 à l'heure, maximum, jusqu'à présent que nous avons enregistré. Et qui ça fait cyclone dans crasé Kaila? C'est parce que le vent vini, il poussait mieux Kaila pour qu'elle a penché sur tomber. Mais le Kaila en béton, vent 150 000 à l'heure, pas qu'à frapper la tête. Donc, problème que qui gagne qu'on y a, là, Kaila, en général, c'est trois tours là et qui t'a qu'à problématique. Parce que le vent vanté, cyclone là, le plus souvent, l'on frappe Mukaila, n'y pas de côté pour aller, n'y pas descendre à terre, c'est rebondir vers le haut. OK. Donc, l'on rebondit vers le haut, tendance que le gagné, c'est lever droiture là. Oui. Donc, une fois lever droiture là, on met des quatre murs, ou quand pendant, ou pas quelle projection encore. Yeah. Donc, c'est ça fait, par exemple, on regarde les buildings de la South Florida qui ont rapport avec cyclone. Yo vini avec un paquet norme qui gens que pour attacher toiture Kaila avec mur qui fait tout autour là en béton. Donc si que ou bâtir Kaila en Haïti ou faire tout en béton aussi bien que toiture là ou bon pour cyclone. OK. De pour bien placer le bon côté que avalanche pas parler avec. Okay. Mais si ou bâtir Kaila totalement en béton en Haïti et puis ou que tremblement de terre là ou deal avec l'autre bagaille. Toutes deux ses forces. OK? Toutes deux ses forces. Force cyclone, là, c'est vent pour ces cailles-là. Tremblement de terre, là, et quand on a fait allusion avec vous-même, si vous monde prend un code, vous avez joué un code là, up and down, c'est comme si même j'avais avec l'eau, ou couleur va faufiler à terre. Oui. C'est comme ça, et wave la vini, il vient sous cailles-là. So, wave qui vient frapper cailles-là, ce tremblement de terre-là, il vient avec deux forces. Une force, qui pousse ces cas-là, la direction qui oppose avec côté le sortir. Donc, si l'épicentre, tremblement de terre là, c'est là le sud qui sortit, la pointe vers le nord, son tendance pousse tout cas là vers le nord. OK? Mais lui-même, c'est parti 150 000 à le lier. Son force extraordinaire. Son pas gagner pour Kimbel pour qu'elle n'a pas avancé puis devant. Donc, c'est le premier dommage. Tremblement de terre fait la Kaila. C'est le pousser l'aller vers le nord. Mais toute Kaila, ça fait Kaila camper bien, c'est parce que Kaila est en équilibre. Parce que s'il n'est pas en équilibre depuis la construction, il est absolument tombé. Par la nature des choses, Kaila carrément reprend équilibre. So, le tremblement de terre a passé peut-être en 3-4 secondes, l'aller, il craquait mieux la direction côté libre. Mais puisque Kaila voulait retourner en place, li, le Kaila retourne, elle pas retourner exactement en place, il retourne avec un petit avantage, puis derrière, c'est comme si Bagano ou fait un dodine. Donc c'est là qu'il arrive pile ou elle a sans s'opposer, il craque, c'est ça fait l'on garde tout Kaila qui est là, tremblement dans Haïti, ou garde mieux toujours bon X. OK? Ce qui veut dire que li vacille, l'on dit que ce même j'ai avec un pendule, li vacille dans l'autre sens là, et depuis mûr en ou X là dans le craquet, intégrité mûr en par là encore. Oh. OK? Donc, quand il y a si intégrité mûr en par là encore, ça qui prend le kembe, toi tu dans le béton. Parce que dans le béton, on dans le béton, c'est pas si loulou, non? Yep. Donc, si mûr en par là pour supporter l'encore, automatiquement, c'est tombé parce que comme mûr en craquet, ils sont tombés, tout toi tu l'as tombé le cas, c'est tout le monde, c'est là le danger. Donc, là où on parle de tremblement de terre, ce serait préférable qu'on fasse mieux qu'à la toute autre en béton, probablement, pour tremblement de terre, mais on fait toi tu l'as en bois, en tôle ou bien en métal. OK? Donc, il y a toujours un mélange de matériaux qui peut avoir un bon résultat approprié, suivant côté où il y a. Donc, si ça y est, c'est le cyclone seulement de gagner. Tout kaiwe qui gagne au passé cyclone, yo va jamais craser. OK. OK. Bon, moun nan gon ti hot qui fait avec deux ou trois feuilles tol cyclone Rachel, mais on gros ka en béton ka l'école dans porte presse Delma. Cyclone met vente ka la bagaille, même si pot nan raché, vent rien va retirer tout balle dans ka la voye deux mais ka la camper. C'est une question de location auto bâtir. Pas vrai? Si structure la base n'est pas strong, après, ça veut dire que le cyclone n'a pas passé, de l'eau a passé, l'eau passé la lavelle.
Oui. So, il y a plusieurs raisons qui font que Kayla a succombé à partir de au cataclysme. Que ce soit tremblement de terre, que ce soit cyclone, que ce soit ou avalanche qui allait, ou bien en dernier lieu, ça nous parlait, le monde qui m'a dit au bord de la mer, nous parlait de tsunami, c'est Tsunami. mais à côté écrasé Kayla. Mais pour gagner un résultat, il faut que tu aies ou corps, par exemple, encore une fois, qui est établi, qui évaluer capacité, mon analyse économiquement parlant, type de matériaux de construction que tu as utilisé, faire implémentation code approprié, et puis bon, nous avons qu'à briser la possibilité que nous avons qu'à minimiser les dommages que nous avons avec cataclysme naturel. Donc, il y a un seul élément, matériaux de construction, pas qu'à résoudre ce problème-là. Donc, il y a un mélange. Fondation faite en béton, mur tout autour fait en béton, mais et toiture qu'elle a fait avec fer, ou bien il a fait avec bois, mais qui strap, j'en veux ta supposée strap là, mais encore une fois, on toujours dit que tout, pas grand-rien qui est invincible à force de la nature. Oui. Oui, mais même c'est pas presque, est-ce que, vent a vini la partie avec tête Kaila, est-ce que tremblement de terre la crasé tête Kaila, pour moi-même, c'est plus que la vie mounan, vous comprenez? Oui, Et oui. vle qu'on est, est-ce que gen youn qui plus bon, côté que, si que le tombe, il pas besoin crasé tant pour le plafond tomber, c'est tout en béton. Vous comprenez, Amadou, Oui. il pancake, il tombe sous vous. Vous comprenez? En Oui. pile moun pas survivre, en pile moun pas, vous comprenez? Il tue Oui. yo. Gros Oui. bloc a tombé sous tête, vous la tue yo. So, même m'a dit que peut-être que si c'est, comme on dit, si c'est bois, vous comprenez? Dépendamment de force bois, tout, I guess, il a Non. tué moun nan tout. Non, Même moun pas la tue yo. si des tremblements de terre, moi pensais avec tout que moi. Et le toiture là, crasé, l'absorbe tombé par mousseau, mais il n'est pas plati ou en entier, pour pas même de côté pour sortir. Oui, OK? oui. L'absorbe crasé, saute tombé, et ou capable de sauter peut-être une demi-heure après le tremblement final de fer, le tremblement de terre là, moun gen à côté, yo retiré en bas deux ou trois feuilles tôle, en bas au Oui, poteau, mais pas en bas béton. Vous oui, comprenez? oui, oui. Et Qui est-ce que nous utilisons ici? Qui peut-être qu'elle nous l'a fait avec what do you call those? Yo utilisé et bois. Ah, yo fait 3-6, côté que yo fait calcul. Hein? Parce qu'en général, l'on fait toiture en caille. Architecte l'a fait plan caille là. Il montrait qu'il a que le dernier toiture l'a paraît pour architecture. Mais une fois fin fait ça, vous voyez le bail, on trust his manufacturer. So trust manufacturer, regardez, toiture caille là, et puis on a software qui mettait toute qualité, load, toute capacité, possibilité qu'il gagnait. Pour les capables de supporter cyclone à 150 000 à l'heure. C'est ça qu'on demandait. Donc, ils ont fait tout calcul là, ils ont fait dessin, et puis ils ont connu, ils ont manufacturé trois scissions pour mettre en place, et puis ils ont fait mettre en place, ils ont strapé approprié. Donc, en pile cas, et aux États-Unis, qu'on y a, 150 000 à l'heure, cyclone pas tellement bah, au problème qu'on y a. Mais, et si c'est en Haïti, encore une fois, c'est toujours le problème. Même si vous n'avez pas mal en Haïti, et par exemple, vous mettez trusses aux États-Unis. Vous demandez, c'est pour les gagner un espace de 16 pouces de chaque truss qui fait partie de Kaila. OK? Mais en Haïti, vous n'avez pas mis de gola côté le vle. OK? Donc, et vraiment, est-ce que vous avez la bonne capacité pour supporter vent? Non, réellement. Donc, ça va arriver en Haïti, le cyclone n'a pas passé, l'Irache était là, et puis tout le monde est capable de faire là. Il y a peut-être un cyclone n'a pas passé. Vous comprenez? Alors, ça, vous êtes capable de faire. Si vous avez un bail comme ça, vous faites ça, en pile de l'autre côté. Écoutez, nous gagnons, nous prenons et pour barailler. Et comment ça s'appelle? Et lorsqu'il y a un gros, gros vent qu'on gagne en Arizona, nous avons le droit de créer un côté en dedans là, qui fait un mur en entier. Côté des cyclones, oui, il fait un mur en entier. Le cyclone est entré là dans le cachet. Même j'ai nous ici, le cyclone est entré dans le bathroom là, et pour cacher parce que les moins exposé que tout le reste là. Ouais, mais le tremblement de terre là, c'est sorti en là. Oui.
Ah, OK. Sorti pas arrêté. Alors, c'est là l'état bon. Si le gouvernement haïtien a des capacités, il te mettait des sanctions un peu partout. Il t'a gardé un warning peut-être une demi-heure, une heure avant. Et puis, il parle aussi, il dit tout le monde, tremblement de terre en route pour Jérémy, tout le monde sorti dehors. Vous comprenez? Le sac, elle n'a pas obligé de tomber sur le monde. Mais nous n'avons pas qu'un système en place. Même si l'on nous pas connaît, c'est si Miami, ça Miami, Bala et Sandy. Wow. Monsieur Bernard, on me remercie parce que vous avez une pile d'informations. Moi, j'ai un même genre de conversation parce que c'est comme ça qu'on apprend, pas vrai? Parce que c'est domaine, ou c'est pas domaine d'âme, c'est ça que j'aime chita avec moun qui connaît, pas vrai, dans certains domaines, pour ça, ba nous ti information, éduquer nous, faire nous comprendre qui j'en bagay yo ye. N'a toujours continué prier pour Haïti, pour toutes victimes yo. Peut-être que on joue que nous tagué un gouvernement qui vraiment patriotique, pas vrai? Patriotique, oui, c'est ça, et puis qui est conscient. Qui conscient, pas vrai, qui vraiment vrai prend bagay yo en main, mais spécialement pour nous, si que gagne des donations tout pays yo, au moins a essayé aider Haïti by donation, que peut-être que nous ka mettre ton bagage sur pied, qui pour aider peuple là, comme on dit. On comprend que peut-être que nous ka font bagage communautaire et puis bien bâti pour moun yo ka un côté que pour yo vivre et puis tout le monde pas besoin un petit bout de caillou ici, un petit bout de caillou sous grand ou un petit bout de caillou sous nan galette là. On va voir un petit bout de caille sous. I mean, it's exhausting. But Béatrice, je vais faire le téléphone. oui, ok, Je vais mais faire en encore. conclusion, ça m'a dit, si vous avez une bonne volonté, pour vous faire un petit carré pour mon en Haïti, si vous voulez chita avec mon qui a des capacités, vous ne pouvez pas construire là, ni pour survivre tremblement de terre, ni pour subir et survivre cyclone. Les possibilités sont là, vous êtes très très simple à faire. C'est tout simplement, le gouvernement, qui veut mettre la main à la pâte. Mon en Haïti, il y a conscience, et puis il y a encore qui peut être là, qui peut être de surveillance, le travail à faire. That's it. Oui. Merci en pile, Monsieur Merci. Bernard. Merci, Béatrice. Monsieur Eugène, merci en pile pour d'avoir que vous devez passer sous cause légale pour nous des informations. M'espérez, mon capitaine de yo, t'es bien tendé, puis écoutez. Encore, si que nous branchons sur cause légale, nous remercions vous. N'a pas au rendez-vous à la prochaine. Nous disons merci avec tous les partenaires de New York, the Haitian Lawyers Association, One Show Pam, the Law Offices of Casual Associates, ou quand je cause légale sur tous les réseaux sociaux, nous devons aller joindre nous sur Facebook, nous sur Instagram, nous sur YouTube, nous avons un Twitter account, c'est cause légale. Like us. Follow us. How do you say subscribe to our YouTube channels? Again, nous sommes ici avec Béatrice Cazouin dans le cabinet Cazouin Associés. Téléphone nous, c'est 305-614-0702 pour tout besoin légal. Si que au bon sujet que vous avez aimé nous parler sur cause légale, vous pouvez envoyer un email pour nous dans info@causelegal.com, info@causelegal.com. Merci, à la prochaine. Merci, Monsieur Eugène. Merci, merci, M. Cazo. À la prochaine.